Là những con dân đất Việt, dù ở phương trời nào, cứ đến ngày giỗ Đức Quốc Tổ cũng đều hướng tâm mình về vùng đất cội nguồn để mong giải bày phần nào lòng thành kính và biết ơn đến công nghiệp dựng nước của các bậc tổ tiên. À la cérémonie du salut au drapeau. Merci de votre compréhension. Active et précieuse à cet événement. Enfin, nous vous remercions également, vous le public, pour votre soutien réitéré à chacun de nos spectacles. Chaque année, à l'occasion du 10 mars du calendrier lunaire, ce qui correspond au début du mois d'avril, nous, Vietnamiens, avons la tradition de nous rassembler où que nous soyons pour célébrer la commémoration des rois Hùng Vương. Il s'agit d'une tradition perpétuée à travers l'histoire du pays depuis des millénaires. Les rois Hùng Vương sont les fondateurs de la nation vietnamienne et grâce à leurs actions, ils ont autrefois réussi à renforcer la cohésion de ce peuple et à développer ainsi qu'à défendre l'indépendance du pays. En plus d'une nation vietnamienne forte et résolue qu'ils nous ont léguée, les rois Hùng Vương nous ont donné en héritage de véritables atouts géographiques. De grandes étendues forestières, plus de 3000 km de côte, de grands deltas agricoles, dotés d'importantes richesses minières et maritimes. Les Vietnamiens sont reconnus comme un peuple pacifique, travailleur, persévérant et ayant un profond respect pour les valeurs morales. Le Vietnam était aussi connu, par le passé, pour son histoire héroïque. Nos ancêtres ayant de nombreuses fois vaincu les invasions du Nord et ayant réussi, malgré tout, à maintenir l'indépendance du pays. Malheureusement, cet esprit autrefois fort et combatif ne perdure aujourd'hui uniquement que par les œuvres d'art, les chants et les poèmes. De nombreux espaces maritimes, terrestres, des forêts, ainsi que des richesses minières ont été cédées à la Chine, lorsqu'ils ne servent pas les intérêts étatiques. Le peuple vietnamien ne peut pas bénéficier des ressources naturelles que lui offre son propre pays.
Les terres ont été confisquées aux paysans, les zones de pêche interdites aux pêcheurs, tandis que la vie quotidienne est affectée de manière constante par la pollution industrielle. À cette misère environnementale s'ajoutent de sérieuses restrictions à leurs droits. Le droit à la santé, qui est à la dérive, le droit à l'éducation, qui est laissé à l'abandon, mais également des restrictions à leur liberté, les forces armées réprimant quiconque osant exprimer une opinion divergente. La société vietnamienne se retrouve donc morcelée, en perte de cohésion, et avec une économie pauvre, servant uniquement les intérêts étatiques. Ces dangers trouvent leur cause dans la politique menée par et au profit des dirigeants du pays. Ces derniers ne peuvent plus cacher leur soumission dévouée aux dirigeants chinois, notamment par des cessions gracieuses de terres et de zones maritimes sur lesquelles le Vietnam a la souveraineté. Mesdames, messieurs, quel est donc le futur du Vietnam ? La tradition millénaire de lutte pour l'indépendance du pays que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle que nous avons le droit et que nous avons également le devoir de protéger non seulement ses richesses naturelles, mais aussi de défendre le droit de vivre librement et dignement. Pour rappel, les autorités vietnamiennes jugeront, ce jeudi 5 avril, 6 militants de l'association Brotherhood for Democracy face à un simulacre de justice. Ces militants sont accusés pour avoir apporté un soutien juridique aux agriculteurs et aux travailleurs malmenés par le gouvernement, pour avoir fait appel à des organisations internationales afin qu'elles s'expriment sur la violation des droits de l'homme dans le pays, et pour avoir plaidé en faveur d'un gouvernement démocratique. Pourtant, demander la démocratie n'est pas un crime. Le droit de vivre au sein d'une démocratie devrait être un droit légitime, qui ne devrait souffrir d'aucune crainte d'une quelconque répréhension. Il s'agirait même d'une condition sine qua non, d'un préalable nécessaire pour un meilleur développement équitable et durable au sein du pays. Dans l'esprit de commémoration des rois Hùng Vương, fondateurs de la nation vietnamienne, nous nous engageons à contribuer à cette lutte par nos actions pacifiques et sommes résolus à ce qu'elle réussisse. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un très bon spectacle ainsi qu'une bonne fête de Pâques à tous. Thank you.
thời thanh bình xa xưa mà chúng ta lúc nào cũng gắn bó trong tâm tưởng khi nhớ về quê hương. Và để làm sống lại những giây phút nhộn nhịp vui tươi của một mùa lúa chín, các em trong Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris xin cống hiến cùng quý vị vũ khúc Gắn Lúa của Phạm Duy. Với nghệ sĩ Kim Hoa.
từng cái thở khai thiên, tổ tiên ta lập quốc, dân tộc Việt Nam luôn bất khuất anh hùng. 4000 năm giữ nước, nửa bước công trùng, đánh đuổi bao kẻ thù ra khỏi biên cương bờ cõi. Năm 179 trước công nguyên, ta đang sống bình yên thì giặc Tàu xâm lấn, quân của Triệu là tràn sang biên dân. Đánh đuổi bọn xâm lăng ra khỏi